Quoi ? Est-ce vous, Seigneur ? Je vous implore, laissez-moi vous servir même dans la mort. Vous servir même dans la mort ? Vous êtes un prêtre d'Innos, c'est ça ? Qui ? Vous n'êtes pas lui ? Comment avez-vous pu franchir les rangs de mes serviteurs ? Serviteur ? Quel serviteur ? Il y a quelque chose d'étrange ici. Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas Dru Hong, et vous n'êtes pas lui. Je ne vous dois aucune réponse. Qui est Dru Hong ? Parlez ! Mon seigneur et maître, mais même lui sert un souverain plus puissant. Vous n'êtes pas un prêtre d'Innos. Qu'est-ce que vous tenez dans vos mains ? Montrez-moi ! Non. Non. Vous avez trouvé quelque chose, je le sens. J'ai trouvé un prêtre d'Innos qui agonisait dans une épave. Il tenait ceci. Cadanos nous vient en aide. Aucun prêtre d'Innos ne toucherait jamais à cela. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est une statue de Béliard, n'est-ce pas ? Vite, posez-la sur l'autel. Nous devons la détruire. Beau travail, étranger. Désormais, nous ne devrions plus voir de morts-vivants sortir des flots. Dès que vous aurez éliminé ceux qui rôdent sur la plage, nous serons libres! Des morts-vivants? Je les ai déjà éliminés. Vous pouvez descendre sur la plage maintenant. Excellent. Tenez, acceptez ceci en guise de récompense. Vous nous avez sauvés d'une mort épouvantable dans la jungle. Vous comptez retourner à ces tarifs maintenant? Oui, mais d'abord je veux aller voir ce faux prêtre d'Innos. Thank you.
Ah, un novice. Quel genre de rituel? Nous avons invoqué une tempête qui a projeté les navires myrtaniens contre les rochers. Le roi Ithorn avait raison. Les troupes de Robar ont tenté de fondre sur nous. Le roi Ithorn? Vous venez donc de ces tarifs? Je suis Aton II, mage de la cour du roi. Vous ne savez pas qui je suis? Non, je viens de Fichir. Fichir? Ah, l'île du prince Bâtard. Alors, quelle est la situation à ces tarifs? Pour être franc, j'en ai pas la moindre idée. Dès que nos avant-postes ont repéré les troupes de Robar, mon roi m'a envoyé sur le rivage du sud. Une sage décision. Vous voulez dire que ces tarifs est capable de se mesurer à l'armée de Robar? Oui. Attendez un peu. Vous êtes responsable de la tempête? Mais alors les morts-vivants sont... Des chevaliers, des paladins et des soldats myrtaniens. Oui. Comment vous venez d'appeler ma patrie? L'île du prince Bâtard. N'y voyez rien de personnel. C'est une vieille histoire. Qui est ce prince Bâtard? Le premier roi de Sétarif avait de nombreux fils, parmi lesquels un bâtard du nom de Mel'gan. Mel'gan n'était pas satisfait de sa destinée et a tenté de prendre le pouvoir. Pour le châtier, ses frères l'ont banni sur une île isolée, où il serait condamné à mener une existence misérable. Ah, les anciens du village racontent une histoire complètement différente. Ce n'est pas étonnant. L'histoire des enfants de Mel'gan doit être très différente de celle que racontent ses frères. Et parti en expédition. Le temps ne cesse d'empirer. Kadano soit avec vous, étranger. Un étranger? Ici?
L'endroit est calme, pas vrai? En voilà une autre. Oh, où vais-je me cacher? Tiens, un paquetage rempli de graines de légumes. Oh bien, bien, bien! J'ai de l'or, mais tu vas devoir attendre un peu. Attends! Attendre? Attendre quoi? Je l'ai avalé à cause des voleurs. Sois patient, je vais te donner ton or. Oh non, non, garde-le, vraiment. Oh, tu es un de ces philanthropes, hein? Alors j'ai quelque chose de spécial pour toi. Tiens! Merci. Mais où est-ce que tu cachais ça? Dans... Attends, je préfère ne pas savoir. Comme tu voudras, comme tu voudras. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai adopté un chien de garde pour veiller sur mes légumes. Mais il n'est pas très bien éduqué. Pour être honnête, c'est une brute sanguinaire. Un chien de garde? Ici? Ouais, ouais. Il s'était réfugié dans une grotte. Il ne laisse personne s'approcher de ma cabane. Même pas moi, malheureusement. Bon, dans ce cas, je peux te débarrasser de ton chien. Fantastique! Je vais m'occuper de ta récompense pendant ce temps. Où est ton herbier? Près de ma cabane, un peu plus loin, au nord-ouest d'ici. Je reviens. Aucun chien ne m'a jamais posé un problème, quelle que soit sa taille. L'endroit est calme, pas vrai? Et tu as appris une leçon à ce maudit chien? Quel foutu chien! Ton chien était une bête d'ombre! Oh, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, je peux retourner à ma cabane maintenant? La bête est morte, mais c'est un miracle qu'elle ne t'ait pas dévoré. Non, je ne suis pas savoureux. Un jour, un gros lézard m'a même recraché.
Ah, ça, je n'ai pas de mal à le croire. Et ma récompense ? Oui, bien sûr ! Tiens, tiens !